a day to celebrate, and I'm very thankful that the Moroccan government, the president of COP22, is organizing this event in order to mark a truly historic day. It is a historic day because it is the day that the Paris Agreement is entering into force. It means there is a hope, there is a confirmation of the hope for a better future for the coming generations. Of course, also for all of us who are still here, but mainly for future generations. The world in the Paris Agreement promised to make commitments and to take actions in order to build a better future for all women, children and men on the earth. And today we are seeing that this is a very definite step in that direction. Aujourd'hui, nous célébrons l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. C'est un événement politique important, c'est un événement historique. On est heureux que cet événement se produise à l'occasion de la COP22. Et c'est aussi un message de sérieux, mais aussi d'engagement de la part de la communauté internationale suite à l'accord historique également de Paris. Nous célébrons cet événement à travers une manifestation, l'éclairage de monuments emblématiques des pays. La Tour Eiffel à Paris, la Tour Hassan au Maroc et la Tour Hassan à Rabat et la Ménara à Marrakech. C'est un événement qui va être transmis sur un plan planétaire et je crois que c'est aussi un message fort à partir de Marrakech et à partir du Maroc, que la COP22 sera la COP que nous avons voulu depuis le début, une COP de l'action, une COP qui transmet des messages d'engagement forts, mais aussi une COP qui marque une inflexion par rapport aux COP qui ont été organisées jusqu'à aujourd'hui, pour que le monde commence déjà à regarder ce que sera l'économie de demain, sera ce que sera la civilisation de demain et sera ce que sera l'organisation sociale de demain. Donc c'est avec toutes ces ambitions que nous célébrons aujourd'hui cet événement. Aujourd'hui c'est un mois donc après la réunion des deux critères, des 55 pays et des 55% des émissions globales de gaz à effet de serre. Donc il fallait célébrer cette journée à la Ménara, parce que la Ménara, c'est elle qui est le logo de la COP22. Et la Ménara, c'est toute une symbolique, parce que d'abord, c'est un monument qui a été construit il y a 700 ans par la dynastie des Almohades. Elle montre également que les Marocains avaient toujours un rapport à la rareté et de ce produit précieux qui est l'eau. Et il s'agit ici d'amener l'eau à 30 km du pied de l'Atlas, jusqu'au bassin de la Ménara, et qui est à l'origine de la création de l'eau livrée de la Ménara. Donc il y a toute une symbolique et nous voulions illuminer aujourd'hui la Ménara pour donner donc cette nouvelle espérance pour de nouveaux modèles de développement et surtout de cette entrée en vigueur de cet accord de Paris qui nous permet de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la concrétisation de l'accord de Paris à travers des projets concrets et notamment à travers les ressources rares, et qui sont donc les problèmes et les soucis et les défis majeurs des pays tels que les pays africains. Nous sommes très heureux de cette entrée en vigueur en moins d'un an. Pour tous les citoyens, pour nous Marocains, nous allons montrer qu'il y a une dynamique qui a démarré bien sûr avec l'accord de Paris, mais qui va continuer avec un pays comme le nôtre, avec un engagement de tous les acteurs, société civile, territoire, secteur privé. Tous nous sommes mobilisés pour que notre engagement en tant que pays faible émetteur, mais qui a fait un effort énorme avec des solutions exemplaires dans le renouvelable, dans l'efficacité énergétique, dans l'adaptation, dans l'agriculture. Nous avons des cas concrets et nous montrons aujourd'hui qu'il faudra aussi une mobilisation, une conscience des citoyens. Et c'est ça qui est important pour montrer qu'aujourd'hui nous avons la chance dans notre pays d'organiser un événement grandiose, un événement mondial, et avec toutes les actions que nous allons proposer et avec toutes les initiatives qui vont être proposées, je crois qu'avec la mobilisation de la société civile marocaine, du secteur privé marocain, des territoires marocains, des régions marocaines, des 12 régions marocaines, je vous rappelle que nous avons 12 régions, et la COP 12 jours. Hein, donc nous avons toutes les régions qui ont un programme aujourd'hui, et nous en sommes très fiers. C'est une date historique, c'est l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Personne ne s'attendait à ce qu'il entre en vigueur aussi rapidement. Les principaux pays
ont ratifié l'accord. Nous avons déjà 94 pays, je crois, qui ont ratifié l'accord et qui ont déposé leurs instruments de ratification. Et donc nous allons avoir la première CMA, c'est-à-dire la conférence des parties servant de réunion des parties pour l'application de l'accord de Paris. Et nous allons commencer aujourd'hui, nous sommes là tous réunis pour d'abord fêter l'entrée en vigueur. C'est cette cérémonie que nous avons à la Ménara. Et puis nous allons travailler sur, justement, nous allons commencer à travailler sur la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et c'est ça l'objet des négociations dont je m'occupe moi personnellement. C'est une grande journée pour l'humanité, pour tous les peuples du monde et surtout pour les peuples les plus vulnérables qui sont les plus menacés par les changements climatiques. Pour les États insulaires, pour l'Afrique, pour tous les pays du Sud qui sont les plus menacés, les plus vulnérables. Le Maroc va fêter, va commencer à la COP22 juste trois jours après l'entrée en vigueur de cet accord historique. Nous espérons que cette COP sera une COP de mise en œuvre des dispositions de l'accord de Paris, une COP de l'inclusion de tous les acteurs, des gouvernements bien sûr, mais aussi des entreprises, des collectivités territoriales, de la société civile, du monde universitaire. Et nous pensons et nous espérons aussi que cette COP sera une COP de la fraternité entre les peuples. Il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui souffrent. Il est temps que toute l'humanité, de manière solidaire, agissent la main dans la main, loin de la haine, loin de l'intolérance et aussi avec une volonté politique maintenue à tous les niveaux.